contrôle fiscal. Séance d'information avec les groupements d'opérateurs. Pour mettre fin à l'incompréhension de la part des usagers face aux dernières mesures relatives au contrôle fiscal, une rencontre avec les opérateurs s'est tenue hier entre Germain, directeur général des impôts, et les groupements d'opérateurs dans les locaux de la direction des grandes entreprises, A par B. Le mois de décembre 2019 a été marqué par la prise d'une mesure de portée générale, ayant abouti à des redressements fiscaux sur les résultats de 2016, mesure qui a suscité des réactions de contestation de la part des contribuables vérifiés. L'exploitation des renseignements en possession de l'administration fiscale obtenus par les déclarations de communication permettent la reconstitution des achats et des ventes effectués par chacun des contribuables. S'il y a des incohérences entre les déclarations déposées et les recoupements, l'administration a le droit de rectifier la déclaration et de proposer des redressements. Les redressements ne deviennent définitifs qu'après les observations et justifications que les contribuables doivent fournir après réception de la notification. Les actions et redressements contestés résultent de l'application pure et simple de la loi en vigueur. Les opérations de contrôle fiscal des exercices 2017-2018 vont aussi se faire. Le directeur général des impôts n'a pas manqué de préciser que les sociétés peuvent actuellement procéder à une régularisation au titre des années 2017-2018 et ce sans amende fiscale. Une sensibilisation dans ce sens a été faite hier, le but étant de préserver le climat de confiance entre l'administration et les usagers.